C'est Vince. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo spéciale critique consacrée à une licence bien connue. Il s'agit du professeur Layton et je serai accompagné de Sonar Games. Voilà. On va faire manger. Vas-y, Pauline. Et le maître du paranormal. Et donc Vince, t'as dit que t'allais faire une vidéo critique sur les jeux professeur Layton, c'est ça? Ah, là, exactement. Oh, bah mince. Voilà. Alors, on va quand même vous expliquer ce que c'est les jeux Professeur Layton, parce que ce serait quand même... Alors, juste avant, excuse-moi de t'interrompre, juste avant, Sonar, est-ce que tu pourrais mettre ton micro en push to talk, parce que là, on entend tout ce qu'on entend derrière, c'est un peu chiant, tu m'excuses. Ouais, ok, alors, attends. Tu mettras en pied pour parler. Voilà. Alors, machin, bidule. Bon, pas de panique, je couperai ça en montage s'il le faut. Hein. Ouais, pas de soucis. Ah, c'est bon, on n'entend plus rien. Voilà. Ce sera parfait comme ça. Ouais. Voilà. On t'entend. Nickel. Voilà. C'est mieux comme ça. Voilà, donc professeur Layton, vous l'aurez compris, il s'agit d'un petit jeu de énigme, enfin, surtout un jeu d'énigme, assez sympa, mais assez bon enfant, si je puis dire. Hein. Et donc, alors, qu'est-ce qu'on va penser? Bah, franchement, la série est franchement bien. On nous emporte dans plusieurs endroits, plusieurs villes, etc. Dans plusieurs histoires, et franchement, c'est franchement bien fait. Les énigmes sont à difficulté variante, hein, elles y vont crescendo, mais évidemment. Les scénarios sont vraiment bons, pour moi, c'est franchement une série de jeux, parce que oui, il faut savoir que c'est une série de jeux, hein, il y a beaucoup de jeux sur Professeur Layton qui sont sortis, et franchement, c'est à tester, quoi. Ah oui, en plus, surtout que le jeu a été développé par Nintendo et suivi après de Capcom, enfin surtout Nintendo, hein, mais franchement, pas Capcom, alors je crois... je pense pas que Capcom a participé à Professeur Layton. Ça a été surtout fait par Level 5 en fait. Voilà. Non, parce qu'il existe un jeu où Nintendo a collaboré avec Capcom pour qu'il fasse jouer son personnage avec Phoenix Wright dans Professeur Layton versus Phoenix Wright Ace Attorney sur 3DS. Bon, je sais pas. Il y a eu ce jeu là également. Alors, pour me concernant, j'ai pas vraiment d'avis sur ce jeu vu que j'ai pas vraiment testé. J'ai surtout testé toute la série jusqu'à Professeur Layton et l'héritage des Aslantes. Voilà. Faut dire également que le jeu est sorti sur plusieurs plateformes. C'est surtout sorti sur les consoles Nintendo en fait. C'est-à-dire Nintendo DS et 3DS. Voilà. Voilà, exactement. Et en ce moment, je crois qu'il y a des remakes qui sont en train d'être faits justement sur portable pour l'instant. Et sur portable, ils font la nièce du professeur Layton. Ah oui, il y a ça aussi, justement. Oui, oui. Je crois que c'est sur la fille du professeur Layton. Je crois pas que c'est sa fille, c'est sa nièce. Ouais, je sais pas si... Je crois que ça a été dit que c'était sa fille ou je ne sais quoi, mais après c'est soi-disant, je pense, hein, parce que... Ouais. Je vais pas dire que c'est pas vrai ou je ne sais quoi, ce serait du spoil. Ouais. Faut tester les jeux, tout simplement. Mais en tout cas, quoi, tout ça pour dire, les scénars sont franchement bien faits. Ouais, ouais. Moi, mon jeu préféré, Layton, c'est Layton et le destin perdu. Sorry. Voilà. Le troisième, ah oui, putain, alors celui-là, plein de rebondissements et tout sur le scénar, franchement... Ouais. Alors celui-là, rien à dire aussi, je pense que c'est l'un des meilleurs, si pas le meilleur d'ailleurs. Ouais. D'ailleurs, tu as testé tous les jeux, Professeur Layton, si je crois bien. Alors, je compte prochainement, en effet, sur ma chaîne, Le Maître du Paranormal. Allez vous abonner en masse, hein. Voilà. Qui fait sa pub, c'est... Non, alors, sérieusement, c'est vrai que sur ma chaîne, Le Maître du Paranormal, je compte... tenter de tester les jeux Professeur Layton. Alors, je sais pas si ce sera maintenant. Je sais pas si j'essaierai de faire toute la série. Je sais pas si j'y arriverai, bien évidemment, mais j'essaierai. Parce que franchement, c'est vrai que Professeur Layton, je l'ai pas testé sur ma chaîne.
Pas encore. J'aimerais vraiment le faire, c'est vrai. J'aimerais beaucoup la faire, la réaliser sur ma chaîne. Mais faut dire que les jeux sont quand même assez longs et il y a beaucoup de jeux qui sont sortis sur la série. Bon. C'est pour ça du coup que ça complique un peu la réalisation sur ma chaîne. Mais franchement, je tenterai de le faire, ça je le promets. Ouais, en plus. Niveau énigme, on va en chier. Ouais, oui, surtout qu'il y a beaucoup d'énigmes dans ce jeu. Mais au moins, excusez-moi, mais au moins, il y a du challenge. Hein. Ah oui, franchement, c'est vrai. Bon, alors, bien évidemment, quand on parle de jeu Professeur Layton, il ne faut pas oublier évidemment qu'il a eu droit à sa propre adaptation en film. Oui, parce que pour ceux qui l'auraient oublié ou qui ne le savaient pas, un film a été sorti au Japon aux alentours de l'année 2009. Alors oui, c'est vrai, il y a un film qui est sorti justement après Professeur Layton. Le Destin Perdu ou La Bête du Spectre, je ne sais plus. Enfin, non, c'est faut savoir... La Diva Éternelle. Ah oui, alors j'ai dit que c'était sorti après l'un des jeux. J'ai pas le coronavirus, ça vous m'excuserez. Non, vous inquiétez pas, Alors, vas-y. Faut savoir aussi que Professeur Layton, il y a eu... Alors, on va dire, il y a eu vraiment deux séries bien distinctives qui sont sorties sur Professeur Layton, lorsqu'il est sorti sur DS et 3DS. Il y a une série, en fait, où il y a eu le 1, le 2 et le 3, c'est-à-dire l'étrange village, la boîte de Pandore... Le destin perdu. D'ailleurs, dans le 2, on rencontre un soi-disant vampire, une sourasse, quoi. Voilà. Donc, il y a une trilogie. Il y a une première trilogie qui est sortie là-dessus, et puis il y en a eu une autre où on a justement la Diva Éternelle, l'appel du spectre, le masque des miracles et l'héritage des Aslans. Toute cette série-là, ça se passe avant. La première trilogie qui est sortie, en fait, c'était un peu un préquel de la première série. Et franchement, les deux séries sont très bien. Pour moi, elles sont franchement bien. En effet, il y a la Diva Éternelle qui est sortie. Donc, il se passe après l'appel du spectre, je crois. Ouais. Et la Diva Éternelle, en fait, c'est un. Contrairement aux autres jeux, celui-là, la Diva Éternelle n'est pas un jeu, c'est un film, en fait. Ouais, comme je viens de dire. Voilà, et qu'il est sorti. Alors, t'as dit qu'il était sorti au Japon, mais il est aussi sorti dans les autres pays, dont en France. Hein, ouais, en 2009. Ah, oui, voilà. Et ayant vu le film, ayant le DVD et ayant vu le film, rien à dire aussi. Le film est très bon, quoi. Ah ouais, j'ai vu, et même pas mal de fois, franchement, ce film est bien, limite captivant. On a presque envie de le mater et le remater encore une fois, quoi. Franchement, c'est... Quand on dit mater, on dit pas... Ouais. Parce que, certes, il y a des filles qui sont sexy là-dedans, mais c'est pas une raison. Hein. Ouais, bien sûr. Hein. Comment s'appelle le film Professeur la Diva Éternelle. La Diva Éternelle. Voilà, exactement. Okay. Bon, bien évidemment. En gros, une diva qui le copie, quoi, parce qu'il croit qu'elle est éternelle, mais en fait, non, le seul éternel qui ici, c'est moi. Faut arrêter. Bon, d'ailleurs. On voit que c'est éternellement con, surtout, hein. Ouais. Bon, d'ailleurs, si vous voulez voir le film, j'essaierai de voir si je peux vous le mettre en bas de la description, si j'arrive à le trouver, bien évidemment. Non, évite, parce que ce serait du streaming et c'est illégal, donc évite. Non, franchement, si vous voulez voir le film, allez trouver un DVD sur des sites pour l'acheter, etc. Mais bon, si vous voulez aller le voir en streaming, libre à vous. Mais par contre, Vince, évite de mettre des si tu veux, mais bon, parce que c'est illégal. Si tu veux, mais bon, ça aurait été bête. En plus, je crois que le film est déjà en streaming. De toute façon, les gens peuvent chercher eux-mêmes, hein, donc c'est pas la peine. Ouais, vous pouvez toujours chercher eux-mêmes si vous avez la flemme, bien évidemment. Hein. Oui, voilà. Bon, alors, donc, mis à part ça, alors, pour vous, quel est le meilleur jeu, Professeur Layton? Pour moi, franchement, je ne saurais pas dire. Pour moi, c'est celui que j'ai testé le plus de fois, je pense que c'est le 3. Alors, je dirais limite que c'est un peu le 3 qui serait le meilleur, mais je suis vraiment pas sûr. Pour moi, tous les Professeurs Layton sont bons, quoi. Ouais. Donc, franchement, je ne saurais pas dire. Et puis moi, mon argument, il n'est pas valable parce qu'en fait, j'en ai testé qu'un seul de jeu et j'en ai joué qu'un seul. Donc, moi, c'est le meilleur, mais honnêtement. Ouais. Ouais. Moi, c'est plus compliqué parce qu'en fait, moi, on me demandait juste de résoudre les énigmes. Je savais pas c'était lequel. Je m'en souviens d'un où il y avait le chien, il était écrasé, il fallait le remettre avec les... De toute façon, elle a Alzheimer, donc.
Ouais. Bon, mis à part ça, si vous voulez, si vous êtes un passionné de jeux d'énigmes, eh ben, n'hésitez pas à tester, ne serait-ce que n'importe quel jeu, Professeur Layton. De toute façon, comme tu viens de le dire, Master, ils sont tous aussi bien les uns que les autres. Hein. Ouais, en effet. Oui. Et puis, il y a aussi le nouveau qui va sortir, là. Ouais. Comme on a dit, avec la Trielle. Ouais, la fille de Professeur Layton. La constipation des... Voilà. La constipation. Alors oui, c'est l'aventure Layton et la conspiration des millionnaires ou des milliardaires ou je ne sais quoi. Rien à voir. Sauf que Pauline, il est déjà sorti ce jeu-là, donc oui, je sais. Mais c'est tout dernier. Ouais, c'est tout dernier, ouais. C'est le tout dernier. Il est sorti sur. C'est Catrielle qu'elle s'appelle. Ouais. Catrielle Layton, voilà. Voilà. Catrielle. Je crois que c'était Catherine, mais en fait c'était Catrielle. Tant pour moi. Ça y est, moi je t'ai fait un nouveau titre. Ça y est, là, c'est un qui a volé le nectar. Non mais. Enfin, lui. Enfin, laxatif plutôt. Enfin bref, moi donc voilà, que les premiers jeux, parce que le 1 et le 2 ils sont déjà justement sortis. Ils sont déjà justement sortis récemment en remake sur Switch et sur portable. Ils proposent cette version-là propose également des séquences et tout qu'on n'a jamais vu sur la version originale sur DS. Donc voilà, il y a des remakes qui sont en train d'être faits sur les premiers jeux Professeur Layton. Je crois le troisième peut-être est en train d'être fait aussi. Je sais pas. Mmh. En tout cas, il y a déjà le 1 et le 2 qui sont refaits. Tout ce que j'espère par contre, j'espère pas trop vu que c'est une exclusivité Nintendo. Ce que j'espère quand même, même si pour moi c'est peu probable, j'espère quand même que les professeurs Layton, du moins les premiers, les remakes, ils sortiront aussi sur les autres plateformes, c'est-à-dire peut-être PlayStation, PC, etc., Xbox, etc., quoi. Ce serait franchement bien. Ouais, j'espère aussi, hein. Que ce soit multiplateforme, quoi. Ouais. Il y a une chose que j'aime bien chez Professeur Layton, je parle du personnage et du second Luc Triton, qui est un gamin. Alors, en fait, c'est son côté, leur côté Sherlock Holmes et Watson. C'est quasiment mais un Sherlock Holmes, mais d'un autre œil, quoi. Oui, voilà. Et leur côté très gentleman aussi. Voilà. Oui, parce que je crois que ça à l'époque, l'univers de Professeur Layton se passe à l'époque, je sais plus, c'est pas l'époque victorienne, mais... Je sais plus c'est quelle époque, mais... Ouais. Je saurais pas dire. Enfin, c'est entre l'époque pré-victorienne, si je me souviens bien. Enfin, je pense, bien sûr, je... Bon, comme pour de toute façon, qu'importe. Voilà, donc, les gens, je pense qu'on vous a quasiment tout dit par rapport au jeu Professeur Layton. Bon, alors, donc, bien évidemment, si vous voulez qu'on fasse des tests sur ce jeu, on le fera dans la chaîne du maître du paranormal. Oui, je spoil, bien sûr. Bon, non, mais ça, on verra bien, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc, c'est donc la fin donc, de cette vidéo critique spéciale, les jeux Professeur... Voilà, comment ? Pas. Donc, ouais. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Si oui, comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut! Bye bye! Ah bon? J'y suis allé un peu trop fort. Maman, dans un gueule, tu vas aller un peu trop fort.